Hello les gamers, c'est Domico, je vous retrouve sur The Forest, un nouveau jeu qui est sorti tout récemment sur PlayStation 4. J'ai été contacté par les développeurs, à savoir End Night Games. Je les remercie directement en ce début de vidéo, car grâce à eux, cette vidéo est là. Alors ce jeu, en quoi il consiste? Eh bien, c'est un jeu de survie horreur. On va être déployé sur une map, j'ai bien l'impression. En tout cas, on voit qu'il y a multiplayer et single player. Moi, je vais jouer tout seul pour cette vidéo, je suis sans amis. On va faire un new game, ben oui, car j'ai même pas encore commencé une fois. Normal hard, hard survival, peaceful. On va plutôt faire normal, j'ai envie de te dire. Il faut savoir que le jeu est déjà disponible depuis très longtemps sur PC. Ça débarque maintenant en 2018 sur console, mais ça fait du bien d'avoir ce genre de jeu qui débarque quand même sur console. Alors on aura une petite cinématique qui, je pense, est assez connue, en tout cas pour ma part. Il faut savoir que je regardais à l'époque des vidéos sur ce jeu, donc il va y avoir un accident d'avion, si je m'en souviens bien. Et du coup, eh bien voilà, on sera un survivant, j'ai bien l'impression, et on devra survivre dans une forêt. Et oui, ça porte son nom. Et il y a des choses qui se passent pas très sympas dans cette fameuse forêt. Il y a une sorte de tribu cannibale qui vous chasse la nuit, j'ai bien l'impression. En tout cas, on va devoir clairement se construire un abri, se défendre pendant les nuits. Car le jour, je ne pense pas qu'on peut être attaqué. Après, j'ai peut-être une bêtise. Encore une fois, c'est une découverte hein, pour moi en termes de gameplay. Mais en tout cas, il va falloir se défendre, ça c'est sûr et certain, durant les nuits. Donc on voit que le gars là, à mon avis, il va se faire un petit dîner au calme. Il va se faire un enfant, ouais, chacun son truc. Mais voilà, je commence avec une petite hache. Oh, une bêche! Viens ici! Bambi! J'ai quoi comme arme? J'ai pas d'arme sur moi en fait, j'ai rien du tout. On peut se créer des armes aussi, hein, également. Alors une valise que je ne peux pas ouvrir, ainsi je peux l'ouvrir. Oui? Ah bah oui, magnifique! Ça coule de source, hein, j'ai envie de te dire. Et bah allez alors, on va tout ouvrir. Je t'emmène. Ah! Ouais, c'est un beau fail ça. Ah d'accord, j'ai ouvert un livre ici et me montre à mon avis comment on va bien crafter déjà du feu. J'ai bien l'impression que le jeu est clairement en anglais. Ah, j'ai un briquet. Ah, t'es terrible ça, le briquet avec l'insigne. Ouais, c'est Bic, hein, on a bien compris que c'est la marque. Hein. Placement de produit. Alors, je ne saurais pas vous donner beaucoup d'infos au niveau du multijoueur, mais ça veut dire ce que ça veut dire. On va pouvoir certainement jouer en coopération avec eh ben, des amis. Bon, après, je t'avoue, j'ai pris vraiment le plus haut arbre de la forêt, quoi, limite, pour dire de commencer, j'ai fait fort, je t'avoue. Après, je galère vraiment à couper cet arbre. Hein. Ah, on y arrive, on y arrive. Merci beaucoup. Oui. Ah, j'allais dire, j'ai cru qu'il était simplement redescendu, quoi. Un arbre de fer. Oh oui, bon, ça. Ah, ah ouais, d'accord. je sais pas, on va se mettre ici, hein, tu sais quoi. On va pas se mettre trop loin non plus, hein. Ça sert à quoi de se mettre trop loin. Il va me falloir 82 bois pour faire ça. D'accord, on va plutôt commencer par ceci. Voilà, là j'ai l'impression que j'ai fait l'armature. Et du coup, ben oui, je vais devoir comme ceci, d'accord. Ah ben ça va, ça reste assez, assez intuitif. Donc on va bien se faire du bois. Car ben, la nuit, encore une fois, il va falloir se défendre. Et j'ai pas envie de passer la nuit sans cabane, hein, non plus. C'est trop intense, dis donc. Si je n'ai pas précisé, le jeu devrait coûter logiquement une vingtaine d'euros à sa sortie sur PlayStation 4. Ok, le vent commence à se lever. Allez, petit arbre, tu peux tomber. C'est sans doute la partie la plus chiante, c'est pour démarrer. Oh putain! C'est quoi ça? Putain, on fait flipper! Et attendez, parce que là, je suis attaqué par des gens, là. J'ai même pas d'arme, j'ai rien. Tout proche de la fin. Le gars, il saute de l'arbre, tranquille. Oh putain, tu veux la bagarre, toi? Oh putain, je suis en stress, là, total, là. Après, mec, ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va quand même pas me tuer, quand même. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi ce combat? LOL! Mais LOL, je suis mort en plus! Et si t'as pas enregistré ma tente, ça va pas, hein. Bon, c'était fait exprès! Impossible, c'était fait exprès. Et je me retourne d'un coup, j'allais finir ma tente, quoi. Ok. On est prisonnier. Ok, ma petite hache, je peux la prendre? Oui, allez, hop. Du coup, on va se couper. Comment est-ce que je peux me couper ça, moi? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, un reste de corps, tranquillou. Bon, bien. C'est quoi ça? Ok, de la monnaie. Ah ouais, si vous voulez des spaghettis, il en a plein le ventre. Bon, ben on va avancer, les amis. Hein. On va te dire, on a vraiment pas le choix. C'est quoi ça?
Ça, c'est la map, ça. Il fait toujours aussi lumineux. Je ne vois rien du tout, c'est simple. Oh putain. Oh, qui est fait? Mange. Ah, je peux couper les membres. Allez alors! S'il y a quelque chose qui surgit là, je vais me chier dessus. Oh! Mais c'est quoi tout ça? Du cash? Mais à quoi me servir l'argent dans une forêt tout ça? Allez. Oh putain! Oh bordel! Oh putain, mais là, il m'attaque à deux quoi! Mais t'es sérieux toi? Il est où là? Oh, comme il vient vite, hein! Regardez ça! Mais... je suis mort? T'es sérieux, toi? Le gars, il vient en vélo vers moi, quoi! J'ai survécu, même pas un jour, mais c'est normal! Ah, c'est carrément fini, quoi! Ok, allez, on va retenter quelque chose! D'accord, donc, bon, remerciez-moi, je vous ai évité la cinématique. On vient de se cracher dans un autre endroit, donc c'est aléatoire, ça c'est bon. J'ai pris les repas qui étaient encore comestibles dans l'avion pour dire de remonter bien ma faim et également ma soif. Franchement, pour un jeu indépendant, il est assez fluide. Ça, vraiment rien à dire. Il est assez beau visuellement. Je peux tuer, mais... Ouais, bon ça. Voilà, je me suis fait... je ne sais pas. En tout cas, j'ai de la peau, voilà. Magnifique. Ok, je ramasse un petit peu de tout hein, pour l'instant. Je ne sais pas à quoi ça me servira, mais... Il y a des cabanes, on est dans leur camp là ou quoi? Le jeu veut me voir perdre en vérité. Un petit soda, allez on prend. Non, j'ai quand même pas envie de me prendre hein, maintenant. J'ai quand même envie de survivre encore un petit peu. On va essayer de se combiner ce morceau de bois avec le crâne, y'a moyen? Je viens de me créer une arme. Voilà! Bon ça! Je commence à comprendre un petit peu. Attends, combiner ça, mais avec quoi? Je peux l'enflammer! Oh que c'est bon ça! Je peux enflammer quoi! Ma petite hache! Malheureusement, j'ai l'impression que je dois me faire bien capturer la première fois, car ici, je n'ai pas accès à la carte. Vous voyez ce que je veux dire? Comme tout à l'heure, où on a eu accès, justement, quand on s'est fait capturer. Bon, voilà qui est fait. Du coup, j'ai mis mon petit lézard ici. Ah, mais non, mais du coup, il me manquerait un feu, juste en dessous. Du coup, j'en ai commencé un là-bas. Ah, j'ai bien joué du... Bon, ça y est quoi? On se casse loin. Ah, j'ai remarqué une chose importante. On ne peut pas sauter dans ce jeu. Ah, très petit, ce trou. Mais vraiment très petit. Hein. Ah, je peux même plonger, d'accord. Ah ouais, par contre on voit flou, ça c'est moins cool. Après c'est sûr que le jeu a une autre ampleur quand on est à plusieurs. Là, pour les besoins de cette vidéo, je l'ai fait tout seul, mais vraiment, il doit avoir un énorme potentiel à plusieurs. Ok, des vêtements, bon ça. Ah ouais, contre froid, bon ça. Oh, il y a des gens là-bas. Ils sont plusieurs. Tout ce qu'il y a. Il y a un camp dans les parages obligatoire. Ok, il y en a un qui arrive, est-ce qu'il m'a vu? Oh putain. J'ai pas vu toi. Tu sors. Pouf. La nuit tombe et je vais être dans la merde, mais en vérité. Ok, un beau petit orage, mais non, bah oui. Du coup, maintenant, il pleut, c'est parfait. Vous savez quoi, je vais retourner vers mon camp. Putain, c'est quoi ça? Putain, c'est quoi ce truc? C'est un crocodile, ce truc, il est où? Putain, il est même attaqué par la faune, quoi. Mais quand il fait nuit, il fait dégueulasse, en fait, on voit rien du tout, quoi. Ok, c'est quoi ça autour de moi? Il commence à avoir froid, mon personnage, j'ai l'impression. Du coup, comme tout à l'heure, je me suis fait capturer. Bon, de toute manière, j'étais bien perdu, je savais pas du tout où j'allais. Ok, il y a une corde ici. J'ai pu remonter direct. Faut traverser toute la grotte inutilement. Je suis déjà là. D'accord. Tout à l'heure, je me suis clairement pris la tête en fait. Je suis revenu ici. Et du coup, maintenant j'ai. Est-ce que j'ai la carte? Non. C'est qui ça? Ok, non, il est mort. Ah, d'accord, ouais, t'es bien mort. Ouais. C'est cool. Oh, une belle tennis. Bah, allez, faisons du tennis par milliers. Je pense hein, que leur partie de tennis s'est très mal déroulée à ceux-là. Ouais, c'est une œuvre d'art comme une autre. Clairement, ça vaut plus la peine d'y jouer à plusieurs. Voilà pour cette vidéo découverte avec Don Miko du jeu The Forest sur PlayStation 4. Je remercie encore une fois N Night Games de m'avoir proposé un code pour pouvoir proposer le jeu sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les gamers!